Chers fidèles, la clôture d'un colloque qui a été consacré à la personne de saint Thomas d'Aquin se fait aujourd'hui, selon qu'il est prévu dans le programme décidé par M. le recteur de l'Institut Saint-Pédis. Elle s'achève donc par un panégyrique de la figure de saint Thomas d'Aquin, donc qui va avoir lieu à présent. Et à la fin de ces quelques mots que je vous adresserai, il restera un temps de silence avant la messe de 18h30. Nous allons nous lever pour dire une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Saint Thomas d'Aquin, Saint Nicolas, Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Chers messieurs les abbés, et bien chers frères, la douce nostalgie que nous entretenons de l'époque médiévale dans la douce France, de ses châteaux forts, de ses enceintes, de ses donjons, peut nous faire oublier qu'ailleurs qu'en France, ces châteaux ont existé. Dans le royaume de Sicile, par exemple, on en trouvait de semblables au Moyen-Âge. Le royaume de Sicile, à cette époque où l'Italie n'était pas réunie, était un grand royaume, sa capitale était Palerme. Il débordait de beaucoup l'île qu'est la Sicile, sur la moitié sud de l'Italie. Et non loin de Rome se tenait donc un château fort un peu comme les nôtres, au sommet d'une colline appelée Rocca Secca. Au milieu du XIIIe siècle, nous regardons ce château et nous prêtons attention à la famille qui vit là, non loin du village d'Aquin, famille qui unit dans son sang des origines diverses, lombardes, normandes, napolitaines, Ludolf et Théodora, époux chrétien, lui seigneur, ont de nombreux enfants. Et lorsque le dernier de quatre garçons vient au jour, il lui donne le prénom de Thomas. Dans cette noblesse provinciale, la foi ne se discute pas, l'éducation est à l'ancienne, le paysage en adoucit la sévérité, ses plaines verdoyantes, ses montagnes de taille humaine, la mer tyrrhénienne. Ce château est juché sur un promontoire et vous êtes venus, chers fidèles, entendre parler de l'enfant qui vient d'y naître en cette année de 1225, saint Thomas d'Aquin, et ma charge est de vous faire un panégyrique de l'enfant qui est né ce jour-là. La finalité d'un tel exercice, auquel peut-être vous êtes peu habitué, est double. Je pourrais économiser la première et m'en tenir à la seconde. La première finalité de cette forme de prédication et de vous faire concevoir une haute idée de saint Thomas d'Aquin. Je crois ne pas me tromper, vous l'avez déjà. La deuxième est de vous pousser à la dévotion, à l'amour, à l'imitation. Et je ne suis pas sûr que ce soit plus volontiers le cas, tant nous concevons parfois une image de ce saint éloigné. Il est tellement savant. Vous pouvez l'intégrer, mes bien chers frères, au saint panthéon de vos dévotions aux côtés de Jeanne d'Arc, de François de Sales, de Thérèse de Lisieux, de Pidis. Il me faut donc vous encourager à vous approcher de lui, à l'affectionner et surtout à l'imiter. Et pour cela, il faudrait que nous puissions entrer dans l'âme qui est au principe de ses actions, autant que le respect l'autorise.
entrer dans l'âme d'un saint. L'exercice est délicat. Saint Thomas n'est pas saint Augustin. Saint Augustin, dans ses confessions, étale son âme. Thomas est tout de discrétion et de réserve. C'est pourquoi les petites choses que je vais vous dire ce soir, il ne faut pas les considérer comme une catégorie, même infime, de dogme, comme une certitude aussi mince soit-elle, mais comme des tentatives d'aller au-delà des apparences et de percer la physionomie spirituelle et la destinée de saint Thomas d'Aquin. La première partie de ce propos couvrira les 27 premières années de sa vie où il reçoit. La deuxième partie montrera les 20 années successives où il donne. Et la conclusion représentera les 2-3 dernières années de sa vie, prélude de sa mort. Voici donc, pour commencer, les 27 années de sa vie dessinées à l'emporte-pièce, est-il possible de faire autrement ? Thomas naît dans une famille catholique et, comme aujourd'hui, ses parents, soucieux de lui apporter une éducation, songent à ce qui était la pension catholique traditionnelle d'alors, tout près du château de Rocca Secca. C'est le Mont Cassin, monastère bénédictin illustre. Et c'est à l'âge de 5 ans, en 1230 donc, que saint Thomas d'Aquin rentre, tout enfant, dans ce monastère qui ne fait pas que préparer des vocations religieuses. Il se charge aussi de l'éducation, de l'instruction d'enfants illustres, qu'ils soient simples pensionnaires ou, comme Thomas, oblats bénédictins. On ne sait pas s'il portait l'habit religieux. Mais quel cadre pour un jeune garçon, mes bien chers frères, pour son éducation, office et silence, travail et contemplation, discipline et encadrement particulier. Si témoin la Sainte Écriture, il est doux de porter le joug dès la jeunesse. Alors heureux, permettez-moi l'expression, ce petit bout de chou de 5 ou 6 ans qui entre dans un tel ensemble. Rocca Secca, c'est une haute colline comme l'est le Mont Cassin. Le Mont Cassin est un château comme l'était Rocca Secca, bien plus grand. Vous savez, mes bien chers frères, l'histoire récente de ce château, puisque les Alliés, lors de la Seconde Guerre mondiale, crurent que des soldats allemands y étaient cachés et ils le bombardèrent, ils le réduisirent en ruines. Suite à leur erreur, il fut heureusement reconstruit. Et si vous allez là-bas le visiter, vous pourrez le voir presque exactement tel que saint Thomas le vit, tel qu'il y passa 10 années de son enfance. Forteresse somptueuse, immense, solennelle, telle est la construction, telle est l'éducation qu'on y reçoit. Il va apprendre à lire, mais on n'y apprend pas à lire avec une quelconque méthode bauchée, ni je sais lire vite et bien. Non, ce sont les livres liturgiques dans lesquels on apprend. C'est la méthode missel et diurnale. Quel enfant ! Nous écoutons sa plainte, sa prière peut-être. On m'a séparé de mes parents, j'ai 5 ans. Ils ne m'ont même pas accompagné, c'est ma nourrice qui s'en est chargée. Mon âme va-t-elle se rétrécir dans l'isolement ? 30 kilomètres m'éloignent de ma maison. Mais non, je vais porter cette séparation, moi, Thomas, dans la paix. Dans mon pays, baigné de soleil et enraciné dans la conviction de la Providence, les choses, vous le savez, sont vite prises du bon côté. Alors je me range, dès maintenant, moi petit garçon, à ce qu'on me dit, à ce qu'on me montre, primauté de ce qu'ils appellent, ces moines, la vie intérieure. J'apprends tôt le sacrifice, j'apprends tôt la discipline, tout vient de Dieu, je n'ai qu'à obéir. Parents, quelle est solide l'éducation qui, dès le jeune âge, enseigne une obéissance solide, un renoncement volontaire, l'art de prendre les choses comme elles sont, dans l'air frais d'une foi catholique indiscutable. Lorsque des parents aiment leurs enfants, ils peuvent si facilement demander de grandes choses d'eux. 10 ans passent ainsi, mais voici que pour des raisons politiques, l'abbaye est temporairement fermée. Thomas a 15 ans, il faut quitter le mont sacré, perdre l'oblature, il faut partir. Comme nous aimerions connaître mieux votre âme à ce moment, Thomas, fils de Landolf et de Théodora. Nous devinons qu'élevée sur ses hauteurs, elle a reçu un élan fondamental.
Mais bien, chers frères, ne nous trompons pas. La base de l'itinéraire vers la perfection chrétienne est la quête de Dieu. Saint Thomas cherche Dieu. Or, quand on cherche quelqu'un ici-bas physiquement, que fait-on ? On se déplace, on franchit des distances. Et dans l'ordre spirituel, chercher Dieu, c'est franchir des distances dans l'esprit. S'approcher de lui, proximité spirituelle, mais vraie. Eh bien, dès le début, il n'y a rien d'autre dans cette âme de Thomas que cet élan. Mais c'est à présent, si vous le permettez, qu'il nous faut nous arrêter et le regarder. Car rien de ce qui se suit, dans cette existence, ne se comprend sans ce début. Car saint Thomas, physiquement, n'a pas beaucoup marché dans sa jeunesse. C'est à peine s'il s'est éloigné de 50 kilomètres du village natal. Son corps n'est pas celui d'un pèlerin ou d'un voyageur, mais l'âme de ce jeune homme, 15 ans, issu de la région de Naples, c'est une âme vouée à l'itinéraire intérieur, au voyage difficile, au chemin de l'esprit, à la quête du cœur, aux fatigues de l'âme. Saint Thomas sait, en effet, qu'il est fait pour Dieu, que tout est simple, qu'il doit s'approcher de lui, « Apropinquate ad Deum », dit le psaume. Et dans ses premières années, porté par une famille chrétienne, guidé par des maîtres en bure, entouré des vapeurs d'encens et de la fumée des cierges, saturé de la beauté d'une forteresse contemplative, il a décidé de s'approcher de Dieu. Lui aussi, dit ce psaume, il dit à son office, « Approchez-vous de Dieu, c'est bien ce que je vais faire ». Il quitte donc le monastère et entre à Naples. Et nous voici devant un jeune homme consommé en piété qui a volontiers renoncé aux amusements des jeunes de son âge, sans doute parce qu'il songe à se donner à Dieu. Il est envoyé par sa famille à Naples, ville toute proche. Il va y rester 3 ans et les jeunes gens de 15 à 18 ans peuvent voir en lui un modèle. Il achève là, dans cette grande ville, sa formation littéraire et commence l'étude de la philosophie. Béni soit la Providence, en ce temps-là, à Naples, en philosophie, c'est Aristote, récemment redécouvert, qui constitue la trame de l'enseignement. Et c'est donc grâce à cette domination spirituelle de celui qu'on appelle le stagirite que dès son adolescence, et non tardivement, dès son adolescence, Thomas fait son triduum, son quadrivium et surtout sa philosophie dans l'atmosphère d'Aristote. Il cultive au milieu d'une vie étudiante, une grande ville, une existence spirituelle intense. Nous avons plaisir à l'imaginer, connaître sa douceur, sa courtoisie, sa tranquillité qui deviendront légendaires. Que fait-il ce jeune étudiant de 15 à 18 ans d'une grande famille de la région ? Il pourrait s'approcher de beaucoup de choses du monde, s'approcher de beaucoup de personnes du siècle et cesser de chercher de s'approcher Dieu. Il pourrait envisager une carrière dans le monde, s'enrichir, être bien vu. Mais dès le début, Thomas eut le discernement de ce que sa destinée avait de particulier. Il cherchait à s'approcher de Dieu. Quel chemin emprunter pour aller à Dieu ? Les chemins sont variés. Mais à travers les témoignages de ses proches et le sentiment de sa propre intériorité, il devina, comme la Sainte Vierge Marie, mutatis mutandis, que le Seigneur lui avait donné une merveilleuse pureté d'âme et une intelligence exceptionnelle. Alors, l'une et l'autre formaient une invitation toute proche à rentrer dans la vie religieuse. Et c'est sans doute dans ces années-là, étudiant de 15 à 18 ans, qu'il devine ce que Dieu veut de lui. Mon âme est éprise de piété, mon âme est éprise de travail intellectuel, n'est-ce pas l'expression de l'amour de Dieu ? Je ne vois pour l'heure rien d'autre que d'entrer dans la vie religieuse. Eh bien, chers frères, tout jeune homme, toute jeune fille abandonnée au flot de la vie étudiante à Paris, au spectacle de ce que lui offre notre capitale, se pose la question de sa place dans l'humanité, de sa place dans l'Église. Que Dieu veut-il de moi ? Pourquoi m'a-t-il jeté dans l'existence ? Quel sera le sens de ma vie ? Entrer au couvent, entrer au séminaire, entrer chez les religieuses, me marier ou rester là dans le monde, à essayer de discerner jour après jour ce que Dieu veut de moi. Chacun de nous a une place singulière dans l'Église, chacun de nous a une place particulière,
mais non pas extraordinaire. L'extraordinaire est dans la vie de saint Thomas, mais pas pour tous. Il y a bien des âmes dans l'histoire de l'Église qui auront eu une destinée individuelle, particulière, singulière, mais pas extraordinaire, car le seul fait de marcher sur des sentiers ordinaires voulus dans des cadres institutionnels tels que la vie d'un couvent, une famille, père de famille, mère de famille, de se sanctifier sur les routes de l'existence sans s'appeler saint Thomas d'Aquin ni sainte Jeanne d'Arc, ce seul fait-là est en fait la réalité la plus commune. Mais bien, chers frères, cependant, que nos jeunes gens qui se posent la question de la vocation se tournent vers des âmes comme celle-ci, des âmes auxquelles s'offraient tant de belles choses devant elles et qui ont choisi dans le sacrifice, dans le renoncement, l'amour de Dieu et qui ont prié pour le savoir. Parmi les professeurs de théologie qui enseignent à Naples, certains sont d'un nouvel ordre, un ordre récemment créé, celui de saint Dominique. Saint Dominique de Gusman, le chanoine, venait de mourir lorsque Thomas naquit. Et il semble que c'est à un frère prêcheur que le jeune étudiant de Naples confie la direction de son âme. Il s'appelle Jean de Saint-Julien. Voici donc un dominicain qui s'occupe du jeune Thomas de la famille de Rocca Secca. Et c'est sur les conseils de ce religieux, sur son invitation, que Thomas d'Aquin, à l'âge de 18 ans, frappe à la porte des frères dominicains, envoûté, comme tant d'autres à l'époque et jusqu'aujourd'hui, par la beauté de cette famille religieuse vêtue d'un blanc qui rappelle la lumière de la vérité. Nous sommes en 1243, peut-être en 1244. Le jeune homme rentre chez les dominicains, mais sa famille ne l'entend pas de cette oreille. Elle l'avait à l'origine confié aux bénédictins parce qu'elle espérait qu'un jour, le fils du seigneur de Rocca Secca, le seigneur d'Aquin, prendrait les livrées de cet ordre et deviendrait abbé du Mont Cassin, avec les honneurs attachés au siège et aussi avec les avantages financiers auxquels le seigneur Ludolphe était assez sensible. Alors, le père du jeune dominicain est à l'époque mort. On pense que Ludolphe n'est plus, mais sa mère Théodora prend les rênes de l'affaire. Elle s'entoure des frères de Thomas et leur explique que les choses ne vont pas se passer ainsi, que si Thomas veut entrer dans les dominicains, il a sans doute été circonvenu et il s'agit d'empêcher qu'une chose horrible se fasse. Alors, les soldats, que sont les frères de saint Thomas d'Aquin, qui sont au service du roi de Sicile, à l'époque l'empereur de l'Empire romain germanique, ces soldats usent de la force et vont arrêter Thomas, leur frère, un jour dans la campagne, alors qu'il voyage d'un couvent à l'autre, les pères dominicains, ses supérieurs, ayant deviné qu'il fallait le faire migrer d'une province à l'autre, d'un couvent à l'autre, pour éviter que les forces militaires s'en emparent. Il est séquestré, il est arrêté, il est emprisonné par ses propres frères et sur l'instigation de sa mère, le voici dans un château. Le futur rédacteur de la Somme théologique, nous le voyons enfermé dans une cellule, à peine libre de ses mouvements, pouvant recevoir cependant les uns et les autres. On cherche à le corrompre et la chose est trop triste pour que nous en fassions le détail dans cette chair. Il tient bon et de guerre lasse, sa famille finit par le lâcher. Le voici donc sortant de cette tour de prison et ambitionnant d'entrer pour de bon dans les voies dominicaines. Alors il va faire son noviciat, on ne sait pas où. Et au terme de ce noviciat, entrer dans la ville d'Allemagne, à Cologne, ville la plus grande d'Allemagne, pour y faire ses études. Mais bien, chers frères, nous arrivons ici à la fin de la première partie de ce propos. Première partie qui nous décrit l'itinéraire de saint Thomas d'Aquin pendant qu'il reçoit, avant qu'il donne. Et nous avons remarqué qu'il a commencé par discerner, par découvrir quelle était la volonté de Dieu sur lui, à savoir d'être homme de prière, homme de religion, dominicain. Mais il lui reste à découvrir une autre chose qui constituera peut-être la trame de sa destinée
et restera le symbole à tout jamais de ses apports dans l'Église. Vers 1946 ou 1248, saint Thomas d'Aquin est envoyé dans la plus grande ville de l'Allemagne, je vous l'ai dit, et un nom domine cette ville, un nom domine l'ordre, un nom domine le monde chrétien. Par sa vertu et par sa science, c'est le nom d'Albert le Grand, savant universel, professeur excellent. La question de savoir à quel point ce géant de l'ordre, ce géant de la sainteté et de la culture, à quel point Albert le Grand, qui commente Aristote, est pleinement acquis à la philosophie d'Aristote. La question est débattue aujourd'hui, mes bien chers frères, je la laisse à des spécialistes, car il a eu certainement une influence néoplatonicienne. Peu nous importe. Ce qui nous importe, ce qui compte pour nous, c'est la figure tutélaire de cet homme de Dieu, puis de science, certes, mais miroir d'une vie intérieure à laquelle saint Thomas aspire. Je vous l'ai dit, pour saint Thomas, une route dans l'existence, s'approcher de Dieu et recevoir ensuite de Dieu ce que cette proximité aura signifié. C'est exactement l'ambition de ce professeur d'origine allemande, Albert. Il cherche lui aussi à s'approcher de Dieu. Et lorsque deux âmes qui révéra Queris Deum, demandent le supérieur d'un monastère à celui qui postule pour entrer, à deux âmes qui vraiment cherchent à s'approcher de Dieu, la rencontre mutuelle, l'admiration qu'inspire cette rencontre est un grand secours, une grâce dans l'existence. Ce n'est pas toujours que dans la vie d'un saint, on rencontre un autre saint. Et il n'y aura pas dans la vie de saint Thomas d'Aquin, après saint Albert le Grand, de saint qu'il aura rencontré sur son chemin et avec lequel il nouera des liens aussi profonds. Que s'est-il passé? Que se sont-ils dit? Qu'ont-ils compris l'un de l'autre? Qu'ont-ils deviné? À quelle source leur prière commune a-t-elle puisé? Quelle lumière le Seigneur leur a-t-il donné? Nous ne le saurons jamais, mais il est hors de doute qu'un changement se fait dans la physionomie de saint Thomas d'Aquin à cette heure où il rencontre le maître de Cologne et où il se met disciple à son exemple. Quelque chose se passe chez lui. Il avait déjà compris qu'un dominicain doit prier, qu'un dominicain doit étudier. Mais il a compris que cela doit concentrer toutes ses forces, toute sa vie. Lui qui était taciturne devient taciturne non pas par tempérament, mais par décision. Lui qui aimait le silence fait de ce silence la trame existentielle de sa vie religieuse. Lui qui voulait prier, qui aimait ce face à face, ce tête à Dieu, tête avec le Seigneur et avec sa Sainte Mère, fait de la prière, de la contemplation, de l'oraison, mais le tissu de ses journées, quand il travaille, quand il étudie, c'est Dieu qu'il cherche. Il a compris que les qualités que le bon Dieu lui a données et que saint Albert admire, que saint Albert signale aux autres disciples, qualité de mémoire, qualité d'intelligence, qualité de compréhension, ordre dans les idées, ordre dans l'exposition. Très vite, le disciple va être au-dessus de son maître. Il a compris que ce que le bon Dieu lui avait donné n'était qu'un pur outil. Rien pour sa gloire. Magnificat anima mea dominum. Tout pour le service de Dieu, pour le service de la science, pour la gloire de l'Église, pour la défense de la vérité, pour la ruine des ennemis de la doctrine orthodoxe. Alors il va se donner entièrement à cette tâche. Et il semble que c'est à ce moment-là qu'il comprend les choses. Thomas d'Aquin, qui était un religieux réservé, devient un religieux extrêmement réservé, extrêmement silencieux, extrêmement saturne. Sans doute ne faudrait-il pas exagérer de sorte à laisser en vous l'image de quelqu'un d'asocial. Personne n'est plus attachant que lui, personne de plus délicat, personne de plus courtois, personne de plus affectueux. Jamais il n'oublie ses proches, sa famille, ses amis. Il ne laisse aucune demande sans réponse, aucun service sans effort et sans peine. Non, mais le premier qu'il aime, le premier qu'il cherche, c'est Dieu. Et il a compris que pour s'approcher de Dieu, il faut qu'il immole le temps qui lui est donné, les années, il ne sait pas combien courtes elles seront, qu'il immole ces années qui lui seront données au service du Seigneur dans un travail incessant, même jusqu'à la veille. Et c'est son programme, et c'est son devoir, et c'est son travail. Et il ne discute pas, ne croyons pas qu'il y trouve toujours goût.
Mais bien, chers frères, quelle beauté que cette immolation qui fait suite à cette quasi-révélation. Il a compris qu'il fallait qu'il se donne. Il a su qu'il fallait qu'il apportât à l'Église ce qu'Aristote avait à lui donner. Il a su qu'à la théologie comme à la philosophie, il manquait encore des grandes synthèses ou bien des synthèses faites selon une nouvelle manière, plus pédagogique, plus claire, plus ordonnée, plus divine en fait. Et il décide de se donner à cette tâche. Mais bien, chers frères, tout le monde n'est pas saint Paul parcourant les terres et les mers pour gagner les âmes au Christ. Tout le monde n'est pas saint Benoît s'entourant d'âmes choisies pour édifier sur terre une réplique de la louange céleste. Chacun son chemin, chacun sa voie. Ici, le chemin est simple, donner les forces de son entendement à la science et faire entrer la lumière dans l'Église. Comprendre et savoir, telle est la voie pour Thomas. S'y comprendre, mes bien chers frères, et savoir, s'y connaître avec l'intelligence, cela ressemble à voir, et nous disons bien, lorsque nous expliquons à quelqu'un quelque chose, vois-tu ce que je veux dire? Vois-tu? Comprendre, c'est un peu voir. S'y comprendre consiste à voir. Alors, mes bien chers frères, disons les choses tout de go et gardons l'humilité de notre condition. Saint Thomas voyait des choses que nous ne voyons pas. Il comprenait des choses que nous ne comprenons pas. Et puis, les choses que nous voyons comme lui, il les voyait mieux que nous. Et les choses que nous comprenons comme lui, il les comprenait mieux que nous. Au fur et à mesure de ses apprentissages, fortifiés par sa méditation continuelle, il a découvert la foi, dans la foi, dans l'univers de la foi, des mystères et des réalités qui nous sont cachés. Qu'est-ce que demande cette découverte ? La lumière. La lumière qui resplendit dans les édifices gothiques, et cette lumière a été donnée à saint Thomas plus qu'à d'autres, plus qu'à beaucoup d'autres. Alors, mes bien chers frères, lorsque saint Thomas récitait ce psaume qui commençait par « Apropinquate ad Deum »« Approchez-vous du Seigneur », il en savait la suite. Quelle est la fin du verset? La fin du verset, c'est quoi? Approchez du Seigneur et quoi? Et vous recevrez quoi? Vous recevrez la richesse, vous recevrez la gloire, vous recevrez les plaisirs, vous recevrez la croix même? Non, ni la richesse, ni la gloire, ni même la croix. Accedite ad illum, apropinquate ad illum, et illuminamini. Vous serez illuminé. Quand on s'approche du Seigneur, on est illuminé. Et il me semble que c'est bien là, cette destinée de Thomas, qu'il apprend, qu'il comprend ce jour-là. Son chemin, ce sera s'approcher du Seigneur de façon à être illuminé, à illuminer l'Église, à montrer à l'Église des choses qu'on n'a pas vues. Et il ne possède pas les privilèges de l'infaillibilité pontificale, bien sûr. Il n'est qu'un théologien, et même en tant que théologien, il n'est pas le seul. Docteur commun ne veut pas dire docteur unique. Cela, nous le savons, et nous n'avons que faire des reproches qui nous sont faits lorsque nous nous mettons à l'école d'un tel maître, car bien sûr, il peut y avoir excès. Mais c'est sa vocation, c'est sa route. Alors, mes bien chers frères, il va rendre à l'Église d'éminents services. Et la postérité ne nous a laissé aucun cilice de saint Thomas. Il n'est pas sûr qu'il se soit flagellé, bien que chez les dominicains cela puisse être une pratique. Non, le sacrifice, la croix de cet homme, ce sera le devoir d'État. Quelle leçon pour nous. Avons-nous toujours conçu ce que notre tâche, notre devoir exige de nous? Avons-nous en amont compris quel était notre devoir et en avons-nous tiré les conséquences nécessaires? Savons-nous regarder le doigt de Dieu, les immolations nécessaires qu'il indique? Mais bien, chers frères, nous prions aujourd'hui saint Thomas pour qu'il nous donne le sens de notre existence, la raison de notre présence sur terre, la tâche même ordinaire, toujours particulière que Dieu attend de nous, qu'il nous donne de l'embrasser et de prendre la croix. Saint Thomas, vers 25, 26 ans, 27 ans, est ordonné prêtre. Il va quitter Cologne et rentrer dans cette deuxième partie de son existence plus courte, qui va durer 20 ans, après ses 27 ans de jeunesse et de réception, et dans lesquels il va donner. Dans cette deuxième partie, physiquement, que fait-il? Il vient à Paris, il repart pour la péninsule italienne, et ensuite revient à Paris. Paris, l'Italie, Paris. Paris, premier séjour. Saint Thomas d'Aquin est envoyé à la demande des dominicains et sur suggestion de Saint Albert,
triste de se séparer de lui, il est envoyé ici à Paris, dans un couvent qui ne se trouve pas loin de nous, mes bien chers frères, à 800 mètres à pied, se trouvait le couvent dans lequel saint Thomas reposa, pria, dormit, travailla, étudia, se sanctifia, enseignant. Le rectangle dessiné par la rue Soufflot, par la rue Cujas, par le boulevard Saint-Michel et par la rue Saint-Jacques, ce rectangle-là correspond à ce qu'était le couvent dominicain. Il ne vous faut pas beaucoup de temps, mes bien chers frères, pour rejoindre ces lieux qui gardent son illustre mémoire. On envoie le saint homme pour y enseigner. Il va brûler les étapes. Bachelier, il commente un ou plusieurs livres de la Sainte Écriture, puis licencié, puis ayant gagné la maîtrise, il devient maître et docteur et le voici enseignant la théologie. Docteur à l'université, cette université de Paris qui est à l'époque en Europe le haut lieu de la connaissance sacrée. Il est maître à côté d'un autre maître d'ailleurs, saint Bonaventure, et il va passer sept années dans cette ville avec la proximité de saint Bonaventure et celle de saint Louis. Trois grands saints dans notre capitale ont marché, ont vécu, se sont sanctifiés l'un près de l'autre. Mais bien chers frères, saint Nicolas existait à l'époque. Elle avait été édifiée, cette chapelle puis église, en 1230. En 1243, elle était devenue église paroissiale. Neuf années avant, cher Thomas, que vous posiez les pieds dans la capitale. À l'époque, saint Nicolas était bien plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle était orientée vers l'est et elle se trouvait tout entière là où se trouve actuellement l'entrée de l'église. Orientée à l'est, par conséquent, le sanctuaire se trouvait du côté où se trouve le confessionnal où reçoivent les prêtres et puis la procure. Et l'entrée, alors, elle se trouvait au niveau de la rue des Bernardins, sur le flanc de l'église. On entrait par là, on s'agenouillait d'abord, on venait prier. Et nous imaginons volontiers, frère Thomas quittant son couvent à 800 mètres, descendant cette rue Saint-Jacques, obliquant vers la droite, entrant dans cette église, nous le voyons avec l'imagination de l'esprit et puis le cœur aussi, nous le voyons rentrer dans cette église et y venir prier, contempler son Seigneur auquel il a consacré sa vie et duquel il cherche à s'approcher, duquel il sert à recevoir la lumière, car c'est pour là qu'il est là. Alors cette lumière, il va venir près du Saint-Sacrement, parfois même, peut-être pas ici, mais ailleurs, mettre sa tête dans le tabernacle pour recevoir les lumières divines et puis supplier pour lui, pour les autres. Oui, mes bien chers frères, vous qui vous trouvez à l'entrée de cette église en ce moment, vous siégez, vous écoutez, vous priez à des endroits où jadis, peut-être, le grand docteur angélique a prié et nous lui demandons de faire de nous des âmes de contemplation, des âmes d'oraison. C'est là que saint Thomas venait prendre la force parce que, ne nous leurrons pas, à l'université de Paris, la lutte était âpre. Un clergé séculier, jaloux de ses prérogatives, faisait des difficultés aux nouveaux ordres mendiants. Les historiens savent cette histoire. Dans la personne de Guillaume de Saint-Amour, ils multipliaient leurs coups. Sachez que les frères craignaient même d'être molestés et de recevoir des coups physiques, il y en avait. Ils étaient jaloux de ce que les chaires d'enseignement à l'université de Paris fussent partagées avec ces nouveaux freluqués en habits religieux qui tendaient à leur en remontrer, évidemment. Quand on est professeur et qu'on a un Thomas d'Aquin ou même un Bonaventure à côté de soi, la vie n'est pas simple, surtout si l'on a régné sans partage. Mais où y a-t-il compétition là où il y a service? Alors, mes bien chers frères, il fallait porter cette croix, car saint Thomas était mis de côté d'une façon ou d'une autre en gardant sa chair tout de même. Il va consacrer son esprit à réfléchir au-delà des vaines querelles qui viennent de Guillaume de Saint-Amour, celui qui en voulait donc à ses ordres, et il va utiliser son intelligence pour travailler. C'est là où il commence vraiment à donner, à enseigner, à écrire avec le commentaire des sentences. Et je ne ferai pas la description détaillée de ce qu'il a pu apporter, en serais-je capable, à la Sainte Église et à la doctrine catholique.
Ne croyons pas, en tout cas, mes bien chers frères, que toutes les considérations, parfois très compliquées, mais pas toujours, philosophiques ou théologiques, de saint Thomas d'Aquin aient eu nécessairement une conséquence pour sa vie spirituelle. Ce ne sont pas toutes les considérations de la doctrine sacrée qui doivent servir à la vie intérieure, ni à prier. Après avoir réfléchi sur l'analogie de proportion et l'analogie d'attribution, ou même sur la science infuse éventuelle de la Sainte Vierge Marie, on n'est pas plus avancé pour savoir comment se sanctifier. Non, l'étude de saint Thomas n'avait pas pour but de lui apporter un contenu intellectuel à son oraison. Elle était sans doute beaucoup plus simple que cela. Il contemplait le mystère de Dieu avec une âme d'enfant, avec une âme de religieux sincèrement dévot. Il force l'admiration par son aisance, par ses distinctions, par la puissance de son esprit. Il pose des fondements extraordinairement solides sur les rapports entre la foi et la raison. Et sa capacité de concentration intellectuelle est tout à fait inouïe. Vous avez peut-être lu, mes bien chers frères, dans des vies pour enfants de saint Thomas, comme il en circulait lorsque nous étions plus jeunes, ou dans celle qui a été publiée par les éditions Clovis, je ne vous donnerai pas son prix parce que vous croiriez que ce serait là une parenthèse commerciale indigne de cette chaire, mais vous avez peut-être vu dans ces éditions la vie de saint Thomas d'Aquin qui a été publiée et dans laquelle on montre telle ou telle anecdote. Ça n'est pas faux. Ça n'est pas faux qu'une fois tellement concentré dans ses études, il tenait un cierge à la main et que le cierge, directement tenu par la peau, se consuma entièrement. La flamme, donc, brûlant sa peau et sans qu'il s'en aperçoive. Ce n'est pas faux que prenant un repas, ça n'était pas si fréquent, avec le roi Saint-Louis, il était tellement plongé dans sa concentration qu'il se mit à crier, au point que son supérieur, le supérieur du couvent de Saint-Jacques, étant là, lui exigea de lui qu'il alla demander pardon à genoux au roi. Bienheureuse concentration intellectuelle qui nous a valu des livres qu'il serait pénible de lister ici et ce qui constituerait un sacrifice, tant chaque ouvrage de saint Thomas d'Aquin mérite l'admiration, même s'il y en a de meilleurs que d'autres. Ne croyons pas que, environné d'une gloire croissante et toujours plus grande, ce saint perd de sa modestie. Il n'a que faire de la réputation, même si elle commence à dépasser les limites non seulement de Paris, de la France et de l'ordre, mais les limites de l'Église même, au moins en Europe. Il n'en a que faire. Il cherche toujours Dieu, doux, humble, dans ses réparties lorsqu'il dispute. Il triomphe de ceux qui l'écoutent et le regardent, autant par l'édification que par l'instruction. Fini cette première période parisienne, il se rend en Italie. Là, il embrassera diverses fonctions, sera consulté par le Saint-Siège pour des questions diverses, enseignera, écrira. Et puis, il nous donne l'exemple de l'humilité religieuse. Vous savez sans doute cette anecdote qui n'est pas possible de ne pas rapporter, où un religieux dominicain voulait, dans un couvent d'alors, sortir pour aller prendre l'air en ville. Son supérieur lui dit « Entendu, mais allez d'abord dans le cloître, et prenez le premier religieux qui passera là et demandez-lui de vous accompagner. » Ce religieux, voulant faire le mondain dans la ville proche, se rend dans le cloître et tombe sur saint Thomas, dont il ne connaissait pas la figure ni le nom. Il a dit « Mon frère, on m'a demandé de vous demander de m'accompagner. » Et voici saint Thomas qui accompagne ce religieux, bien plus jeune, bien plus prestant, bien plus leste que lui, et qui marche à un rythme qui ne lui est pas possible. Alors saint Thomas, qui a toujours été, les témoignages sont concordants, d'une corpulence nette, eh bien saint Thomas n'arrive pas à suivre. Il s'essouffle, il fait chaud en Italie, il ne suit pas le rythme, il halète, et l'autre de se retourner vers lui et de le reprendre, de le presser, de le gendarmer, de l'admonester. Allons, allons, un peu d'exercice. Et saint Thomas se presse le pas, et saint Thomas s'excuse, et saint Thomas dit « Je fais ce que je peux ». Quelle figure, mes bien chers frères, quelle belle âme que celle-là. Et ce saint Thomas de là, qui accepte une telle humiliation, c'est lui qui donc se rend en Italie et va rendre les services que je vous dis, surtout des services d'écriture. Il continue son chemin dans la clarté, avance la rédaction de la somme théologique après celle de l'excellente somme contre les gentils, et les regards que les lumières reçues d'en haut lui permettent de jeter le convainquent toujours plus d'une chose.
Les lumières que saint Thomas d'Aquin reçoit lui montrent que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait d'une certaine manière, que nous reproduisons bien faiblement dans nos œuvres humaines. Cette manière, c'est l'ordre. À mesure que le bon Dieu l'éclaire sur les mystères de la nature et de la grâce, Thomas perçoit que les choses sont belles, mais surtout il appréhende les rapports, les proportions et l'harmonie entre les choses. Cela va se manifester surtout dans l'office de la fête Dieu, qui manifeste, qui montre sa dévotion. Je dois abréger, mes bien chers frères, saint Thomas revient à Paris pour un deuxième séjour. Saint Thomas, c'est Paris qu'il avait pleuré la première fois lorsqu'il a quitté. Mais quand on est religieux, on observe l'obéissance sans demander pourquoi et nous ignorons toujours le pourquoi des choses. Saint Thomas revient à Paris. Il est âgé pour l'époque. Il a 45 ans. Mais les conditions de son travail sont plus confortables. Il a toujours son compagnon, le père Réginald, et il dispose de pas moins de 4 secrétaires. Il se bat toujours contre Guillaume de Saint-Amour, pourtant exilé, et contre ceux qui n'ont pas compris la nécessité des états de perfection dans l'Église. Mais les papes défendent les mendiants, car les papes ont compris, dans toutes ces mauvaises querelles faites par les universitaires de Paris, les papes ont compris l'importance des congrégations et des ordres, qui sont l'élite de la chrétienté. N'est-il pas vrai, mes bien chers frères, que Mgr Marcel Lefebvre a toute sa vie montré, lui qui fut d'ailleurs religieux, comme un héritage précieux, cette déférence si chrétienne pour les ordres religieux, pour tous ceux qui ont embrassé les conseils évangéliques par les vœux de foi, d'espérance et de charité. Saint Thomas reprend l'enseignement, il enseigne, mais qu'on ne voit pas en lui un pur théologien. Il est d'abord un religieux dominicain exemplaire, on le voit. Assister après avoir célébré sa messe à une deuxième messe, pour faire l'action de grâce et la servir. Il se promène souvent, il aimait cela, soit dans les jardins, soit dans le cloître. Et que fait-il quand il se promène? La tête penchée, il semble penser, réfléchir, presque inconscient du monde qui l'entoure, sur lequel pourtant il a reçu de si grandes lumières. Mais on ne sait s'il réfléchit ou s'il prie, si la contemplation n'est pas devenue l'unique occupation de son existence. On ne sait pas non plus, mes bien chers frères, et cela restera un mystère pour ceux qui fréquentent les œuvres de saint Thomas d'Aquin, on ne sait pas non plus par quel biais, qu'à part quel stratagème, cet extraordinaire spéculatif a pu montrer une connaissance du monde extérieur, du monde sensible, aussi juste. Comment ce grand contemplatif, si réservé, si reclus, a pu manifester un sens de l'observation équilibré, joindre la spéculation et l'intuition, l'observation nécessaire à la vraie science. Lorsqu'il discute, il n'apporte aucune contention, il est réservé, toujours humble, discret, pieux. Mais bien, chers frères, l'attitude que saint Thomas montrera dans toutes les querelles théologiques est un enseignement pour nous. Et si nous voulons l'imiter, il me semble qu'il nous faut lui demander une grâce. C'est cet amour de la vérité, vérité-lumière, qui fait que dans nos considérations, nos conversations, nos entretiens, il nous faut chercher d'abord la vérité et non pas le service de notre propre personne. Nous mettre dans la quête de ce qui est vrai et de ce qui est faux, et non pas imposer nos passions, notre désir de domination et un souci fort inconvenant d'avoir raison, qui ferait obstacle à s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, nous arrivons maintenant dans la dernière partie de la vie de notre saint. En 1272, saint Thomas quitte définitivement Paris. Il repart pour son pays. Il ne sait pas qu'il va trouver bientôt la mort, 2 ans plus tard. Au physique, c'est un homme grand de taille, un peu chauve, de stature droite. Son teint est couleur froment. Lorsqu'il prêche, il lève les yeux en l'air ou bien il les ferme. Cet homme si rationnel se montre de plus en plus en larmes. En larmes quand il prie, en larmes quand il dit la messe. Il a reçu les dons de larmes, surtout lorsqu'il chante cette magnifique antienne qui nous arrive de chanter à nous aussi lors des saluts du Saint-Sacrement. Media vita, media vita. Il guérit une hémorroïde avec l'ombre de son habit, comme le fit le Christ.
Le bruit de ces miracles se répète de bouche en bouche. L'extase est là, et la lévitation. Thomas, immolé, contemplatif, aimant de son Seigneur, appartient déjà à un autre monde. On accourt à sa messe, en l'entour d'affection, on sait qu'il va partir un jour ou l'autre. Généreux envers les pauvres, il accepte le service d'être un exécuteur testamentaire, comme si le docteur Angélique, à presque 50 ans, n'avait que cela à faire. Et puis voici la date du jour incroyable, le 6 décembre 1973. À 4 mois de sa mort, à la suite d'une vision, celui qui ne faisait qu'enseigner, écrire, dicter, parler, décide de ne plus enseigner, ni écrire, ni dicter, ni parler. Car, il le dit, il a une révélation. Et après ce que j'ai vu, je ne peux plus. Tout ce que j'ai écrit, écrit-il, et dit-il à son fidèle ami, le père Réginald, tout ce que j'ai écrit, c'était de la paille à côté de ce que Dieu m'a montré. Que s'est-il passé ? Il a tellement approché de Dieu qu'il a été vraiment illuminé. Et les lumières qui lui sont faites désormais ne peuvent plus se transmettre dans un langage humain. Il a éclairé l'Église, mais désormais, ce qu'il envoie, l'Église ne peut presque plus le recevoir. Il a été illuminé, lui qui approchait tellement du Seigneur. Le Seigneur lui a donné des lumières sur les vérités souveraines et celles secondaires, sur les mystères et les évidences, sur le grand et le petit, sur la nature et sur la grâce. Il a fait comme Icare, sans que ses ailes ne soient brûlées. Il reçoit l'intuition de sa mort, et puis vient le grand jour. Lors d'un déplacement à Lyon, au début de l'année 1274, Thomas d'Aquin, prédicateur général, docteur en théologie, religieux de l'ordre fondé par Saint-Dominique de Guzman, tombe malade. On le transporte au château de sa nièce, Françoise, et de là, il se fait déplacer jusqu'à un couvent, Fossa Nova, pressentant que c'est dans cette maison de Dieu, de prière, qu'il va rendre son âme à Dieu. Il célèbre la messe, se confesse, reçoit le Saint Viatique. Tous les moines ne font que se presser auprès de sa couche, tellement admiratif. On est le 7 mars, il faut du feu dans la cheminée. On envoie les moines chercher du bois. Mais ils refusent de faire porter le bois par les ânes d'habitude. Un bois qui va servir à chauffer Thomas d'Aquin doit être porté à dos d'homme. Il montre à tous patience, douceur, humilité et bonté, mais ses forces se déclinent. Et à l'approche de la mort, cet homme qui n'a pas 50 ans, pourtant avide de voir son Dieu, d'entrer dans la lumière, ses forces déclinent et à la veille de mourir, il se lève de son lit, se prosterne à genoux devant les moines et il prie. Je vous reçois au salut de mon âme. C'est par amour de vous que j'ai étudié, veillé des nuits entières et que je me suis épousé, épuisé. C'est vous que j'ai prêché et enseigné. Jamais je n'ai dit un mot contre vous. Je ne m'attache pas non plus obstinément à mon propre sens, mais si jamais je me suis mal exprimé sur ce sacrement de l'hostie, je me soumets au jugement de la Sainte Église romaine dans l'obéissance de laquelle je meurs, ainsi soit-il. Après avoir reçu l'extrême onction, cet homme qui a cherché toute sa vie à s'approcher de Dieu va recevoir son juge, son Seigneur et son Maître, son Père et son ami. Il meurt au petit matin du 7 mars 1274 et immédiatement ensuite, un moine aveugle recouvre la vue en ayant touché le Saint-Corps. Lors de la procession des obsèques, sa nièce Françoise obtient que le corps sorte du monastère pour être présenté devant la porte et là, elle exhale sa douleur, sa souffrance et son amour. Finalement, on l'enterre au terme d'une belle procession. C'est fini. Saint Thomas est allé rejoindre le fondateur Saint Dominique. Il a cessé de s'approcher, de faire son chemin. Sur Fossa Nova, le soir est tombé. Le monde catholique a fini de retenir son souffle. Thomas d'Aquin est mort et enterré. Le lendemain, à l'aube, le château de Rocca Secca s'éveille.
la plaine frémit au terme d'une nuit d'hiver finissant. Pourtant, sur cette plaine, près de Naples, un soleil d'hiver se lève lentement. Il éclaire d'abord le rocher, le château, et de là s'étend à la plaine environnante. La lumière de ce soleil gagne les montagnes, parvient à la mer, c'est la lumière du jour, le soleil d'Italie, dont la clarté est pure. Ce soleil d'Italie montre aux hommes, aux yeux des hommes, les choses. Elle fait voir les choses qu'ils ne voyaient pas. Elle leur fait mieux voir les choses qu'ils voyaient déjà. Et puis de là, il semble que cette lumière du soleil qui se lève sur Oca Seca, si chaste et si belle, va passer les montagnes, traverser les mers et s'étendre sur le monde. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.